Ah, t'es là, saloperie. On va voir si on peut crafter quelques trucs. Avec les Valkyries. Merci, merci. Oh la vache. C'était intense. J'aime bien parce que là c'était plus technique. C'était plus stratégique. Que réflexe en fait. Enfin, si, il y a toujours des réflexes, mais c'était plus. Ouais, enfin je sais pas, c'était différent. Le combat est senti différemment, c'était bien. J'étais pas là à vouloir faire le plus de dégâts possible, j'étais surtout là à la contrer en fait. Mais bon. Année d'expérience avec, avec Dark Souls à parer. Ouais, c'est bien là, ok, d'accord. Ah oui, ça c'est la porte, c'est qu'il y avait le miroir. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On repasse par... Non, on passe par la porte. T'es chiant, toi, hein? Oh, le connard. Oh, le... Voilà. Saloperie, ce corbeau. Alors, on retourne à l'atelier. On va voir. J'espère qu'on peut construire quelque chose, crafter quelque chose. Après, je crois qu'on a reçu récupérer des runes ou des trucs comme ça, je vais regarder. Et maintenant, Freya devrait peut-être jeter un œil au garçon. Non, je me sens mieux. Je dois juste reprendre mes esprits. Où est-ce qu'on va? Maintenant que nous avons le burin du géant, nous devons découvrir la rune qui mène à Jotunheim pour la graver sur la porte spéciale, sur le pic. Et ainsi ouvrir le passage vers le royaume des géants. Tu la connais pas? Hélas, non. Mais le serpent a dit que les géants avaient confié ce secret à Tyr. Tyr n'est pas mort? Si, mais son tombeau secret est à notre portée. L'entrée se trouve sous son temple qui était recouvert par le lac depuis des générations, jusqu'à ce que notre ami le serpent se décide à bouger. C'est là que nous trouverons la légendaire rune noire de Jotunheim. Waouh. J'ai pas capté ce qu'il vient de dire. Le tombeau, il est sous l'eau. Hey, le bruit court que quelqu'un a fait taire cette grande gueule de Magni. Vous y seriez pas pour quelque chose, des fois? Ce serait plutôt une bonne chose ou une mauvaise chose? Mauvaise pour vous quand son père l'apprendra. Mais moins il y a d'as dans les parages, mieux je me porte. Tiens, je vous offre la prochaine amélioration. C'est vrai? Non. Waouh. Quel connard, putain de connard, lui. Bon, alors, si j'ai bien compris, Sindri et toi avez fait Mjolnir. Exact. Ensuite, Thor s'en est servi pour tuer plein de gens. Et alors? J'ai l'impression que vous vous le reprochez à vous, au lieu d'en vouloir à Thor. Petit, je t'aime bien. Mais t'es loin de saisir la complexité des rapports dans une famille. Je vais pas faire la morale à ton père sur la façon qu'il a de t'élever. Pourtant, crois-moi, il y aurait beaucoup à redire. Pardon, Brock. Il y a pas, il y a rien. On part sur quoi? Ça c'est pas mal. Ça je pense que j'utiliserai cette poignée enflammée là plus tard. Pas maintenant. Parce qu'on peut pas l'augmenter, mais plus tard. Ah, mais faut la créer. Non, mais on peut pas la créer non plus. J'ai rien dit. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, petit? Bon, bah merde.
Y a pas de... Y a rien, quoi. D'autres on avait parlé. Ça serait bien qu'ils nous donnent des trucs maintenant, parce que bon, ça, je sais pas, des trucs à crafter. Ouais. Ça fait un petit moment qu'on a rien de nouveau, non? Force, non, forte chance d'obtenir une grâce, un atout grâce, santé atteint un niveau critique. Non. Chaque blocage. Ah oui, c'est ça. Augmente légèrement la vitesse de sprint maximale. Bof. Je vois pas trop pourquoi on utiliserait ça. On va voir un peu. Je vois quasiment aucune différence. Je vais garder la chance parce que la chance nous donne de l'expérience et tout ça. Augmente la chance. Activation d'atout et le gain d'exp. Mais bon, c'est pas fameux quoi. Puis ça sera utile pour se déplacer, mais je vois quasiment pas la différence. Atreus, avec moi. J'arrive. Oh, le tombeau de tir est derrière cette porte magique. Frère, le bureau. Un truc aussi, ce qu'on peut faire, c'est... aller visiter les salles secrètes, mais si à chaque fois il y a une Valkyrie, non. On va attendre d'être un peu plus épais, parce que bon... ça va être un peu chaud. Hein. Wow, j'arrive pas à croire qu'on entre dans le tombeau de tir. Ah, j'ai pas changé le... j'ai pas changé le gamin. Un de ces trucs. C'est Tyr, mais il manque le panneau central. Une minute, je croyais que Tyr était un dieu, pas un géant. C'est vrai, mais il était aimé de tous, même des géants. C'est le seul avec moi à qui ils aient accordé le don de clairvoyance. Je me demande si les géants ont laissé un triptyque sur moi quelque part. J'ai rien dit. Mauvaise porte. Vas-y. En fait, viens voir. Je vais te montrer comment ça se lit. Ce n'est pas nécessaire. Tu m'as appris tellement de choses. À mon tour pour une fois. Atreus. Allez, tu me parles déjà. Apprendre à lire sera un jeu d'enfant. Je sais déjà lire, mon garçon. Mais pas cette langue. Alors t'as fait la moitié du chemin. Bien. Les runes représentent un tas de choses différentes. Des dieux, des animaux... des... attends. Oh, je vais trop vite. Désolé, non, c'est je vais... pas ça. Tu ne sens rien. Si, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? De pluie. Oh merde. Tu as tout gâché. J'ai mérité ce maudit marteau.
Et maintenant, tout le monde va croire que je l'ai récupéré parce que Magni est mort. Je vais être la risée de tous. Mais si je te tue, personne ne se moquera de moi. Non ! Ah, idiot. Tu tiens ça de ton père ou tu crois que ça vient de ta mère? Elle était bête en plus d'être laide. C'est vrai. Mais je vais apprendre à te connaître sur le bout des doigts. Tu vas devenir mon nouveau frère. Dès que j'en aurai enfin terminé avec ton père. Oups. J'y suis allé un peu fort. Il est énervé, Kratos. Pas l'énerver. Toi, tu vas en chier, mec. C'est pas fini. Non. Non, le laisse-moi partir. Mon frère, le garçon. Atreus. Tu dois l'emmener chez Freya sans plus tarder. C'est sa seule chance. On dirait qu'il s'était... qu'il avait activé une rage. Le gosse. C'est bizarre. Prends le bateau. Freya n'est pas loin. Mon dieu, mon dieu. Je peux plus jouer sans l'enfant, moi. Odin t'a à l'œil, frère. Surtout depuis que tu as tué un des siens. La forêt de Freya lui est inaccessible. C'est notre meilleure option. Et si quelqu'un peut le guérir, c'est elle. Qu'est-ce qui lui arrive? J'ai vu ça chez certains mortels. Les conflits de l'esprit peuvent se manifester par des maux physiques. Je ne l'avais jamais vu chez un dieu, mais... un dieu qui se prend mortel, ça ne me surprendrait guère. Nous y sommes presque. J'aurais pensé demi-dieu. Enfin, on sait pas ce que c'était la femme en fait, sa femme. Un dieu qui se croit mortel. C'est vrai que c'est pas mal. Reste calme, Kratos, reste calme. Qui c'est qui aurait appelé le serpent? Odin? Le consume, et il tremble. C'est grave. Ils vont faire vite.
Odin lui-même, peut-être. Peut pas aller plus vite, Kratos. Freya, ouvre cette porte. On a besoin de toi. Bon sang, est-ce que tu m'entends? C'est très urgent. Je suis toujours une déesse. Allez-vous-en. Mon garçon est malade. Freya. Il est malade. Entre vite. Ce n'est pas une maladie ordinaire. La vraie nature de ce garçon, ta vraie nature, se bat en lui. Tout est ma faute. Tu vas m'aider. Bien sûr. Il existe un ingrédient rare qu'on ne peut trouver qu'à Helheim. Le gardien qui protège le pont des damnés. C'est son cœur qu'il me faut. Helheim. Le royaume des morts, tu le connais? Pas celui-là. Un froid glacial règne sur ces terres. Le feu ne peut y brûler et aucune magie dans les 9 royaumes ne peut y produire une étincelle. Quant aux morts, ta hache de glace ne servira à rien. Il te faut autre chose. Je dois retourner chez moi. Déterrer un passé dont j'avais juré qu'il resterait enfoui. Peu importe qui tu étais avant. Cet enfant n'est pas ton passé, c'est ton fils. Et il a besoin de son père. Cette rune ouvre le pont vers Helheim. Quand tu seras là-bas, ne traverse sous aucun prétexte le pont des damnés. Nul ne peut en revenir. Tu as compris? Atreus. Heimle, tu dois te dépêcher. Dans mon jardin, un chemin te mènera à ma barque. Prends-la, retourne chez toi. Déterre ton passé, fais ce que tu as à faire, mais apporte-moi le cœur de ce gardien. Et ton fils vivra peut-être. Pars. Freya. Lors de ma dernière visite, non. Tu as raison de ne pas faire confiance à la parole des dieux. Inutile de te justifier. Pas auprès de moi, pas pour ça. Je veillerai sur lui. C'est la promesse d'une mère. Eh ben... Il fallait que ce soit Helheim. Tout va bien, frère? J'ai une tâche à accomplir. Ne m'interromps pas. Je pense savoir ce qu'il va récupérer. Je pense savoir. Je crois que c'est des jolis couteaux qui étaient attachés à ses avant-bras. Waouh. C'est qui ça? Athéna. Sors de mon esprit. Athéna, il l'a pas tué.
Genre elle l'a aidé pour vaincre Odin ou quelque chose comme ça et après il a été forcé de la tuer. C'était qui ça? Ils auraient dû faire quand même un petit résumé pour ceux qui n'ont pas joué au jeu d'avant, parce que personnellement je suis un peu perdu. Pour vaincre Zeus, ouais, peut-être, ouais. C'est peut-être mieux, ouais. Zeus, c'est que ça, c'est ça. Non, je me rappelle. C'est bon, plus personne. On dirait John Wick qui garde son passé enfoui dans du béton dans sa maison. Ah, il a plus les avant-bras, l'armure. Ouais, c'est ça. Tu n'as nulle part où te cacher, Spartiate.
Tu auras beau mettre autant de distance que tu veux entre toi et la vérité. Ça ne changera rien. Tu peux prétendre être ce que tu n'es pas. Un mentor, un mari, un père. Mais il y a une vérité à laquelle tu ne pourras jamais échapper. Tu ne peux pas changer. Tu demeureras à jamais un monstre. Je sais. Mais je ne suis plus ton monstre désormais. Wouhou ! Voyons de quoi ces lames sont capables. Chiant à utiliser, mais wow. Pas mal ça. Putain. Il y en a beaucoup quand même. Je vais en crever. Ça c'est la honte quand même. Ça c'est un peu la honte ça. C'était super stylé et j'en crève, merde. Ok. Les enflammer. Il y en a toujours derrière, c'est vrai. Tu joues. Non. Ok. Ah, putain. J'arrivais plus à bloquer en fait sur la fin. Les lames du chaos. Tout ce qu'il y a. Par derrière. Ça va aller. Oh.
seront utiles à Helheim. Il doit y avoir une porte vers le monde entre les royaumes, en plein milieu du jardin. Pratique. Prends ce raccourci et de là, rends-toi à Helheim. Ça va. Ouh, c'est sympathique. Alors, je vais voir un peu. L'âme habitée par le feu des enfers, une relique appartenant au passé de Kratos. Ah, c'est de la rune. Oh, intéressant. Poignée de l'âme rudimentaire en bois. Ah, il faut des runes spéciales. Il faut des attaques spéciales, d'accord. Alors, pour les compétences. Lors d'un sprint, appuie sur R1 pour effectuer... Ok, ça c'est pas mal. C'est bien que j'ai de l'expérience de côté. Maintenez R2 pour faire une puissante projetant une en l'air, c'est cool. Combat élémentaire. Est-ce que vous visez appuyer sur R1 pour... Ah putain, j'avais pas... Ouais, ok, ok. Alors... C'est pas mal, ça. Enchaîner rapidement vos coups sans subir de dégâts pour charger la lame du chaos. Faites des dégâts de brûlure chaque fois que vous touchez un ennemi. Mal. Visez, appuyez sur R2, faut que tu aies un coup puissant, ben je suis incapable. Come over here. C'est Scorpion. Classe. Après il y a le balayage, pas mal. Ouais, pas mal. J'ai quand même une petite faiblesse pour la hache. Hein. J'ai quand même une petite faiblesse pour la hache. Je suis à peu près certain que ce n'est pas à moi que tu parlais tout à l'heure. Tu n'as pas quelque chose à me confier ? Je t'assure que je garde les secrets comme personne. Bon, tu sais où me trouver. Et pour ta gouverne, j'avais déjà deviné que tu étais grec. Athéna, impossible de se tromper. Mais à la base, les lames, ils pouvaient pas les enlever, c'est ça ? Il pouvait pas les enlever de ses poignets, je crois. Ah, il va sûrement dire quelque chose. La magie d'un autre monde. Par les saints de Nana, qu'avons-nous là? J'ai jamais rien vu de tel. Un héritage familial, forcément. Non. Et ça ne le sera jamais. Écoute, mon frère et moi avons créé Mjolnir pour le grand crétin. J'ai l'œil pour ces trucs. Et ces lames, elles ne sont pas banales. Et où est ton morveux? Il est tombé malade. Non. Qu'est-ce qui s'est passé?
Les As? Non. Tout est ma faute. Et c'est à moi de réparer cette erreur. On va tous prendre nos responsabilités, parfois. Hein? Est-ce que je peux faire quelque chose pour l'aider? Je peux me rendre utile. Tu veux que je vienne avec toi? Non. Tu as déjà assez à faire. Par ici. D'accord. Alors, où est-ce que tu vas, comme ça? Au royaume des morts. Helheim? Merde, c'est du sérieux! Je vais garder un œil sur toi. Alors, change modéré d'obtenir un atout aura de feu qui augmente la force et restaure un peu la santé à chaque coup réussi. Cool. Les flammes du chaos. Pierre de résurrection de Berserker. Pierre magique en réservée avec la totalité de sa rage et une petite partie de sa santé. Oh, c'est pas mal ça. C'est pas mal, je pense que je vais prendre ça à la place. Il a dû trouver un moyen pour les enlever. Enfin, du... les gosses sont costauds. À son âge, je me suis coupé la tête propre et nette. Et je m'en porte pas plus mal. Ah, la vache. Chance 10. Est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir ça, non? Non. Maintenant que Freya t'a donné la rune de passage vers Helheim, le royaume devrait être accessible depuis la table. C'est parti. Helheim. Voilà, c'est fait. On y va vraiment alors. Oh, on va en chuter. Ça va être drôle. Je profite de l'occasion pour te dire que ce que nous allons faire est pure folie. Même Odin ne peut survivre à ce froid. Alors il a tout intérêt à fonctionner.
Même Odin, il peut pas survivre à ce froid. On sent seul sans l'enfant. Est-ce que c'est le pont dont Freya parlait ? Non, nous sommes toujours sur le pont entre les royaumes. Celui que nous cherchons est le pont des damnés. Les morts l'empruntent pour se rendre dans leur séjour permanent, la cité de Helheim. Le gardien qui en garde l'entrée, c'est lui que tu cherches. Suis ce pont et tu tomberas nez à nez avec lui. Tu sais, j'espérais vraiment ne jamais revoir cet endroit. Oh, wow. Oula. Utilise le feu de tes lames pour brûler ces ronces qui nous barrent le chemin. Ah, oh, maintenant c'est comme ça qu'on... Comme ça qu'on détruit les ronces. Alors, on a une attaque avec les lames. Ajoute une ultime frappe à l'attaque et augmente considérablement le dégât. Okay. Toujours la hache par contre quand j'invoque, c'est cool. Encore une bonne raison d'être allé chercher ses lames. Oh waouh. De la merde. Faut que je m'habitue. Faut vraiment que je m'habitue. Yeah.
On se débloque plus. Seuls les morts récents devraient être ici. Il y en a beaucoup trop. La porte doit être fermée. Et si la porte est fermée, ça ne peut vouloir. Faut que je débloque plus de. Plus d'attaques. En fait. Elle est pleine. Sans la Valkyrie pour faire le tri, la cité déborde. L'étourdissement a l'air de monter plus vite, ouais. Un peu comme, comme si je tapais à main nue. Par là. Non, pas ça. Ça monte plus vite qu'avec les mains. Peut-être. Après, c'est peut-être parce qu'ils sont faibles contre le feu. La vache. C'est pas mal, il y a une attaque. C'est pas mal. Les pillards que nous avons tués près de ma maison, ils sont venus ici. Comment ont-ils pu revenir aussi vite ? Le temps ne s'écoule pas de la même façon d'un royaume à l'autre, surtout pour les esprits. Comme la lumière d'Alfheim. C'est le contraire. Le temps passe plus vite sur le lac des âmes qu'à Alfheim. Mais il passe beaucoup plus lentement à Helheim qu'à Midgard. Ça ne doit pas être évident à saisir. Si ça nous permet de retrouver mon fils plus rapidement, ça me va. Ah, tu comprends vite à ce que je vois. Ah. Ouh, c'est quoi ça?
Qu'est-ce que... Non. Putain. Occupé. Ok, il y a le coffre à aller récupérer. Bon, maintenant on peut tout ouvrir. Enfin, je crois. Brûler les racines et tout, on va devoir faire tout le tour. Ah, il était presque étourdi, fait chier. Ok. Oh putain! Oh, on n'avait pas besoin de ça. Je préfère la hache. Valhalla, est-ce qu'il fait partie d'Alain? Ah, non, non, non.